Moins de 24 heures après le communiqué du ministère gabonais de la Justice qui annonçait le retrait express de la nationalité à deux citoyens gabonais d'origine étrangère, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est revenu sur les causes de cette décision, actée par un décret présidentiel. Ils ont dirigé un réseau de confection de passeports gabonais. C'est un fait grave. Donc là, pour une question de sécurité nationale, on ne pouvait laisser passer de tels actes et c'est la raison pour laquelle ils ont été déchus de la nationalité gabonaise. L'opération se poursuivant, d'autres mesures similaires sont à prévoir. Nous avons plusieurs centaines d'irrégularités que nous sommes en train de regarder des personnes qui ne vivent pas au Gabon, qui n'ont même jamais vécu au Gabon et qui ont eu à avoir cette nationalité, donc des personnes qui vont être déchues de la nationalité gabonaise. Le gouvernement gabonais de la transition s'est engagé à sévèrement sanctionner ce type d'acte répressible qui porte atteinte à l'intégrité du Gabon. Pour ce faire, les deux intéressés, condamnés depuis 2022, feront l'objet d'une expulsion du territoire gabonais au terme de leur peine d'emprisonnement fixée à 3 ans au moment du jugement.